Bon, donc c'est bon là-dessus. Salut les amis, donc on se retrouve encore sur un nouveau jeu cette fois-ci. Je pensais vraiment pouvoir jouer à School Driving Simulator, mais il est complètement mal foutu. C'est un vieux jeu, il me semble, donc qui tourne pas très très bien. Normalement, là, ça devrait aller. Je devrais plus avoir de coupure parce que j'ai, en gros, je passe maintenant directement en filaire, donc. Plus de problèmes de perte de connexion ou ben, en gros je passe pas tout à fait en filaire mais c'est comme si je passais en filaire parce que en gros comment vous expliquer ça? En gros ma connexion internet passe par mon réseau électrique et vient jusqu'à mon ordinateur, tout ça part du fil. C'est vraiment nickel. Déjà j'ai plus de coupure comme j'avais avant de connexion, j'ai plus rien en fait. C'est tout propre, nickel, rien n'est bon. Quand je regarde mon débit, il est propre. C'est tout droit. Il y a pas de baisse, il n'y a pas de chute, de quoi que ce soit. Mais bon, après, on est qu'au début. J'ai pas encore joué avec Forza. Mais normalement, ça devrait être propre. On arrive. On arrive. Allez, let's go. On est parti pour aller sur Forza. Je vois un petit truc. Ah, bon, il ne l'a pas activé le machin. J'ai pas activé mon Discord. Tant pis. Ben, tant mieux, tant pis. Je m'en fous en fait. Mais. Après, je sais pas encore. Peut-être que plus tard je mettrai mon Discord dans un chat ou dans machin. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité absolue. Ouais, mais c'est pas mis en mode streaming. Mais parce que j'étais pas connecté depuis tout à l'heure. Donc, hop, voilà. On va activer quand même Forza au bout d'un moment. Ça serait bien. Donc on a pas mal de petits trucs nouveaux quand même. La saison, j'ai eu aussi un trésor de grange hivernal qui est arrivé hier soir. Donc, j'ai eu hier soir dans la soirée ou dans l'après-midi. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué le matin, mais surtout l'après-midi. Donc voilà. Donc on va partir là-dessus. Merde. Fuck. On va partir là-dessus et voilà. En fait, c'est tout. Pour l'instant, en fait, je vais faire les points de prouesse en fait que j'ai à faire avec le 4x4 pour pouvoir avoir mes 100 points de Forzaton. Voilà. Surtout. Aïe. Ça que je veux faire pour l'instant. Donc normalement, le jeu devrait être fluide à souhait, parce que là, je n'ai plus de problème de connexion, du tout. Bah, quand je dis du tout, c'est du tout, du tout. Ravi de vous revoir, le Colosse. Donc là, on passe sur River Forzaton. Qu'est-ce qu'on a? On a 300 000, mais techniquement, j'ai pas loin de 2 millions. Hein. Prouesse de pilotage propre. Donc ça c'est en course, mais il me reste 2 jours à faire, donc ça me dérange pas. Ça peut être attendre un ch'touille. Voilà. Donc là on est en hiver. J'ai pas conduit beaucoup d'autres bagnoles que mon 4x4. Ben, j'ai conduit si un peu une autre bagnole. J'ai essayé de conduire la Vulcan. L'édition Horizon que j'ai eu. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont changé un truc par rapport à ça. Maintenant, j'ai l'impression que quand on se connecte, quand on se met sur le jeu, il te met d'abord en solo et après il t'envoie sur le multijoueur. Mais ça me paraît un peu bizarre comme histoire. Cadeau. Oh, génial, deux super tirages. Je viens de pécho, deux super tirages qu'on va ouvrir maintenant. Donc, tac. Allez, on est parti pour du super tirage. 5000, hop, la Bentley Continental 2017. Putain, oh, je suis tombé. Oh, quand même, j'ai eu 5000, hein, 5 millions. Donc, il y a pas mal. En fait, j'ai regardé un peu les bâtisses qu'il y avait depuis le dernier stream. Il y a vraiment des trucs assez intéressants sur ces. D'ailleurs, je voulais voir un truc. Je vais voir un truc avec vous. Parce que, il y a un autre truc aussi que j'ai pas fait depuis hier. C'est regarder le Forza Hub. Regardez le Forza Hub parce que ça donne toujours un petit peu d'argent de temps en temps. Voilà, là j'ai une récompense.
Hop, on chope la récompense et je viens d'avoir 100 000 crédits donc sur mon sur le jeu en fait, sur Forza. Hop, donc ça va pas peut-être pas se mettre immédiatement, donc je devrais recevoir un message dans les quelques minutes, voire quelques heures à venir. Donc ça c'est assez intéressant le Forza Hub. Hein. Donc là on va tirer les 19 wheelspins que j'ai là. Putain c'est bon, pour l'instant j'ai pas encore une seule perte d'image. Hein. Donc on va dire que c'est correct. Après normalement ça devrait être bon du début jusqu'à la fin, mais bon. Par contre le truc c'est que RustreamIO a du mal à se connecter aux deux chats en même temps. Mais bon. Bon, casquette, j'en ai un peu rien à foutre. J'ai pas forcément de la chance dans les tirages de Wheelspin, mais bon. Et allez, des fringues, allez, hop. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de tirages de Wheelspin. J'en avais fait pas mal sur Forza Horizon 3. Mais bon, après, c'est... Ça reste à voir. Je suis pas non plus ouf ici sur les Wheelspin. Je sais pas... Ah, j'ai une montre. Quoique la montre, ça me dérangerait pas trop, j'aime bien. Mais j'aime bien en avoir dans les trucs comme ça, les jeux et tout. Mais sur moi, j'aime pas en avoir. Mais après, c'est pas forcément parce que j'aime pas en avoir. C'est parce que dans le métier que j'ai appris, en fait, on nous a toujours conseillé de ne jamais avoir de montre, de bracelet, de bijoux, de trucs comme ça. Et c'est pour ça que, en fait, voilà, j'en ai jamais. Oh, j'aurais préféré avoir la Porsche. Ah, fuck. Fuck. Donc voilà, c'est pour ça que je porte jamais de montre, jamais de bijoux, jamais rien du tout. Mais j'aime bien en porter, hein. Ben, des fois, pas toujours, mais au moins une montre, quoi. Mais j'en porte jamais parce que j'ai pas l'habitude et puis... Voilà. Waouh, c'est ça que t'appelles un gros lot. Une jupe, c'est ouf. Oh la Superman, voilà, celle-là je la voulais pour faire des courses délire, mais là je l'ai eu. Donc c'est YouTube qui est pas connecté sur Restream.io, j'ai l'impression. La RS4 2006. Ok. Il y a une édition Horizon. La CRX Cyr de 91. Putain de bordel de merde. Là, il y a une édition Horizon. Je vais passer à côté, je pense. Non, bah oui. Mais je suis pas sûr qu'il y avait une édition Horizon. Hop, 50 000. Aussi, il y a des bâtisses qui sont vraiment intéressantes, en fait, sur le jeu. Salut, Destroyer. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Bah, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. Il est peut-être un peu de bonne heure, c'est 9h30. Vous êtes à peine, vous devez encore avoir la tête dans le cul, je pense. Ou le cul dans le brouillard, je m'en fous, c'est pareil. Bon, c'est un peu des paroles de chanson, non? Même si je sais que oui, mais. Donc, il y a pas mal de bâtisses sur Forza qui sont assez intéressantes à avoir. Donc, d'une qui est assez intéressante parce que, comme j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, dans ma précédente stream, je veux dire que maintenant c'est des vidéos, mais que je trouvais ça bizarre en fait. J'avais vu sur des streams qu'on avait les musiques de prouesse, mais que maintenant je comprenais pas pourquoi on n'en avait pas. J'en avais pas depuis le début. Mais j'ai compris qu'en fait, il y a un bâtiment que tu achètes et qui te débloque ces musiques de prouesse. Voilà. Donc je viens de recevoir mon cadeau du Forza Hub. Donc voilà. Donc j'ai compris ça un peu après en fait en tournant un peu sur la map et tout que on gagnait justement les chansons de prouesse en achetant une baraque. Voilà. Et puis après, il y a pas mal de... J'ai trouvé aussi quelques... Aussi, il y a une baraque que tu achètes et qui te permet de te téléporter partout. Et elle vaut 2,5 millions, je crois. Donc, voilà. C'est assez intéressant, franchement. Il y a vraiment des trucs assez intéressants. Ouais.
Après, voilà, il y a vraiment des trucs assez intéressants, je trouve, sur ce Forza. Mais je trouve quand même que l'histoire et le gameplay est quand même plus court que sur... le 3, en fait. Le 3 était plus long et limite plus intéressant que ce 2... que ce 4. Mais... je dis souvent des conneries, en fait. Mais... le game... voilà, le jeu est beau, il est magnifique. Le fait qu'on ait les 4 saisons, c'est ouf. Mais il y a un manque de gameplay par rapport au 3. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Il n'y a pas photo du tout sur ce point-là. On est vraiment sur un... moi, je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, chacun peut avoir le sien. Je le trouve vraiment magnifique, très bien fait. Là, il y a quelques lags, je pense, par rapport à une mise à jour de Nvidia. Mais ça, je pense que ça va être réglé. Je pense, hein, parce que j'avais pas autant de lags que ça. Mais surtout par rapport à une mise à jour Nvidia. Voilà. Après, c'est mon point de vue du fait que j'ai quelques lags. J'ai moins l'impression des saccades comme il y avait avant. Quand je perdais 2-3 FPS, mais j'en perds beaucoup plus maintenant, mais c'est plus rare. En gros, je perds, je sais pas, 70-80 FPS et tout. Mais... voilà. J'aime bien aussi que l'environnement est variable. Par exemple, des fois, au bord d'un lac, tu peux trouver une voiture garée comme là. Mais dans 10 minutes, tu reviens, la voiture est plus là. Ça, je trouve ça intéressant. Après, je sais pas si la voiture... elle s'en va ou pas, je sais pas. Il y a vraiment des trucs sympas. Donc, je voulais voir un truc. Je vais vous montrer 2-3 baraques que j'ai trouvées assez intéressantes. Non, elles sont quand même assez chères, celles que j'ai trouvées. Il y en a une qui est dans la forêt, c'est le garde-chasse. Et je crois que... le pavillon de chasse. Et celui-là permet, je crois, de débloquer... les musiques de prouesse. D'ailleurs, je vais peut-être l'acheter parce que je vais avoir besoin de ça. J'ai besoin de pas mal de chansons de prouesse pour pouvoir avancer plus vite avec avec ça. Donc et il y en a une autre qui permet de se téléporter de partout et c'est vraiment intéressant. Tournez à gauche. Bon, après c'est comme quand on se téléporte au Forzaton à la maison, faut payer. Sinon faut avoir trouvé tous les points de comment ça s'appelle de télé de toutes les pancartes. Putain, j'ai vraiment des lags de ouf. Hop. Donc voilà, après faut voir. Après, ce que je conseille aussi pour ceux qui débutent, c'est toujours, par exemple, si vous devez pas faire des points de prouesse, comme je suis un peu en train de faire là, de pas forcément mettre comme j'ai tout mis là, comme j'ai tout mis, ça veut rien dire, mais de mettre au moins jusqu'ici, de mettre ça, parce que ça c'est vraiment ultra, ultra important. En gros, pour les prouesses, parce que faut quand même, en gros, si on se cogne dans une voiture ou dans un arbre, une fois en tout cas ça va pas le faire. Après il faut attendre un certain délai avant de pouvoir retaper quelque chose. Mais si tu retapes quelque chose une fois derrière, bon, ça marche. Donc bon, tu peux retaper derrière et ça pose pas trop de problèmes. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Ça fait un petit moment que je les mets, les points de prouesse, mais donc je les mets sur certains véhicules parce qu'il y en a, je m'en cogne, mais royal quoi. Des points de prouesse. Parce que certains véhicules où je les prends une fois ou deux pour faire certaines choses, c'est pas des plus utiles. Lui, je l'ai mis parce que voilà, c'est juste parce que j'ai vraiment besoin des points de prouesse de ce véhicule. Et c'est un peu imbécile de ne pas les mettre en fait. Voilà. Surtout ça. Je trouve ça stupide de pas les mettre. Donc voilà.
Non, c'est vrai qu'il y a des. Je trouve qu'il y a des frises, des machins. Bon, normalement, sur le lac, tout se passe bien. Il y a toujours zéro perte. Ah. Ah, tu peux jouer en multijoueur. Pas de soucis. Après, moi, tu vois, personnellement, après que tu fasses comme ça, ça me dérange pas. Mais au moins, dis-le moi dans le chat, tu vois. Est-ce qu'on peut jouer ensemble? Est-ce que machin? Est-ce que ceci? Ouais. Voilà. Je vais bien jouer avec toi, mais encore, je sais même pas. Ah oui, bah oui, je suis con. Mais pourquoi tu m'envoies là-dessus? Ouais. Voilà. Après, moi, ce que je te dis, c'est que voilà, quand tu fais des trucs comme ça, tu me demandes quand même à m'inviter. C'est pas. À 200 mètres. Je vais pas te dire non parce que voilà, je m'en fous. Ah. Pourquoi tu m'as coupé? Ah, mais t'es qu'au début du jeu. Je pense. Ah, t'es qu'au début du jeu. Ah. Prenez le virage serré à droite. À 400 mètres, tournez à droite. C'est bizarre ça, tu sois qu'au début du jeu. Pourquoi es-tu qu'au début du jeu? Le jeu, tu l'aimes pas ou quoi? Tournez à droite. Parce qu'on est quand même en hiver actuellement en fait. Printemps, donc il te reste encore l'été. Il te reste encore l'été à faire, non? Ok. Destination. Donc voilà, c'est cette baraque dont je parlais. Yo Tintin. Oui, pourquoi t'es au début du jeu? Ça, j'avais vu que t'étais au début du jeu parce que sinon il m'aurait pas changé de saison. Donc je vais acheter cette baraque parce que pour moi elle va être vachement utile parce que pour l'instant avec le Forzaton, faut faire des points de prouesse, beaucoup de points de prouesse et je vais avoir besoin de ça. Voilà. Et en même temps, on va tirer les super Whispin. Elle est adorable, mais pas tout à fait aussi rapide que toi. Ok. Vous avez acheté la maison. Non. Non, je suis sur PC. Et je pense que. Bah je me suis pas fait avoir on va dire, mais sur PC il est quand même moins intéressant que... Oh il est moins intéressant que sur Xbox je trouve. Il est moins joli, moins... il y a moins de trucs. Ok, le super Whispin de merde, ça commence bien. Ça annonce la couleur. Ouais je suis sur PC. Mais après je peux te dire que j'ai quand même une bête. Et que... Oh putain, deux Whispin de merde. La super wheel speed de merde, non mais sérieusement. Sur PC, c'est quoi Fashion Week? Pardon. Ah, j'ai quand même eu une classe A. Ouais. J'ai eu une bagnole et quelques milliers d'euros. Non mais t'es sérieux, c'est quoi ce super. Ce Ford ton de merde là, c'est super wheel speed de merde. Bon après, normalement, je pense que quand on aura tous les vêtements. On aura tout d'un. En gros, ils pourront plus nous les redonner, donc je sais pas comment ça marche, mais. Donc là, on a aussi cette baraque là où je vais, là, qui va être intéressante. Parce que. Mais de toute façon, le jeu est cross-platform, Tintin. En gros, et puis même si moi, demain, je m'achète une Xbox One X ou une autre, hein, je pourrais jouer dessus quand même. Même si, en gros, vu que je l'ai pas acheté en boîte, je l'ai acheté sur le Windows Store. Je peux demain m'acheter une Xbox One X ou S ou d'une n'importe laquelle, je m'en fous, et jouer dessus. Avec le même jeu, la même partie, au même niveau, exactement pareil. Et je pourrais jouer avec. Voilà, c'est tout.
Mais par contre, je crois qu'il faudra que je paye un abonnement. Ça, par contre, c'est vrai que c'est dommage de devoir payer un abonnement. Je crois. Parce qu'il me semble qu'il faut payer un abonnement. Si je me trompe pas, parce que je suis pas trop consolu. Hein. Mais il me semble que pour jouer en ligne sur Xbox, faut payer un abonnement. Tandis que sur PC, aïe, tu ne payes pas d'abonnement. C'est l'avantage. En gros, tu payes le jeu une fois, c'est fini. Basta. T'as pas repayé derrière pour pouvoir jouer en multi. Je crois, hein, je dis peut-être des conneries dans ce que je dis, mais il me semble que c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, hop. Bon après, si tu veux lancer une course, tu peux, hein, ça me dérange pas. Destroyer. Tournez à droite. Là je monte 2-3 trucs mais je pourrais les montrer après mais si t'as besoin de lancer des courses pour faire tes pour avancer un peu, il y a pas de souci. Il y a ça, ce bâtiment aussi qui est très intéressant, le manoir là. Il vaut un truc comme 2 millions. En gros, on obtient à haute forme et on obtient 10 super tirages. Ah. Allez, je l'achète aussi. Je me charge du déménagement. Je l'achète. Si t'entends des bruits inquiétants la nuit, pas la peine de m'appeler. Je viendrai pas. Je l'achète. Non, je veux. Quoique, merde, j'aurais pu la mettre en tant que principale. Mais parce qu'elle est assez intéressante. Et donc, voilà. Comment ça. J'ai pas de coupure, qu'est-ce que tu me dis, toi? Ok. Ok, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu de coupure, il n'y a rien eu. Donc pourquoi tu m'as. Ok. Donc on va retirer encore des wheel spin, des super wheel spin. J'espère avoir une édition raison quand même sur ces 10. De préférence une que j'ai pas. La Mustang 71, je crois que je l'avais, mais je suis pas sûr. Et la Ford Bronco. C'est des petites voitures pas très intéressantes, je trouve. Oh ah. J'étais trop content, mais non, c'est pas passé. Bon, j'ai quand même la couronne. Hein. On va dire ça passe, mais j'aurais préféré quand même avoir le van de chez Volkswagen. 200 000, bim bim, 500 000, hop. Donc on va... Ouais, 550 000. Ouais, je pourrais peut-être rentabiliser la baraque. Hein. Ou pas. Ou pas. Une Subaru, une AMC et 5000 balles. Ouais, 5000, c'est pas forcément le plus utile. Quand même, on a tiré quand même. Je trouve qu'on a tiré quand même pas mal de wheel spin depuis le début. Et ce qui revient souvent, c'est ces putains de freins qui servent à rien. Parce que je me suis changé que deux fois, je crois, dans toute la partie. Parce que de toute façon, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de courir. Le perso, tu le vois qu'à la fin des cours. J'en ai rien à foutre. Ah. Ah, le camion, par contre, il m'intéresserait, lui. Même si j'en ai un peu rien à foutre, mais... Oh. Ah, la M5, elle aurait été intéressante aussi. Il me resterait plus qu'un million. Ah ouais, mais il me reste deux super tirages avec celui-là. Oh. La Porsche Cayman. Le dernier tirage de wheel spin. Oh, là, c'est full bagnole, là. Ça, c'est sympa. Dodge Charger 2015, Mustang 2013 et X5M. Ouais. Non, mais je sais que je l'avais sur Forza 3. Mais je sais plus si je l'avais sur celui-là. Collectionneur de voitures, rang 20. Génial. T'as aussi le Ford... Ford... Ah non, c'est le Dodge Ram. Donc...
Je pensais que t'avais le Ford Raptor, mais non. Ah. Ah ouais, t'es que niveau 19, effectivement, t'es pas très très haut. Ouais, c'est comme tu veux, si tu veux lancer des courses, on peut y aller. Hein. Après, moi je suis pas. Oh, tu customises à fond ton truc là? Bah, si, il se traîne ton coucou. Il se traîne un peu. Après, je sais pas si dans les futurs streams, là je le laisse pour l'instant encore, mais si je vais laisser la musique encore pour l'instant, parce que je vais peut-être mettre plutôt de la musique moi en fait, et pas bah, encore que je vais être obligé, parce que si je veux utiliser les Forza machin, hein. Mais je t'ai déjà répondu, Tintin, je t'ai dit que j'étais sur PC. Je sais pas si tu t'as regardé tout le stream, mais je t'ai dit que j'étais sur PC depuis tout à l'heure. Mais que si demain j'en prenais l'envie de m'acheter une Xbox, je pourrais en fait, et jouer dessus. Mais là je suis sur PC. Yeah. Ah putain, j'ai fait un bon score alors que j'ai fait de la merde. Non, j'ai une bagnole de merde. Pourquoi il me l'a... C'est bizarre cette histoire. Parce qu'en gros, il m'a affiché deux fois que tu m'as envoyé le message en fait. Ouais. Bah, c'est bizarre. Donc ouais, je suis sur PC et je trouve quand même, du peu que j'ai vu, que sur console il était moins buggé et qu'il avait moins de... Il avait moins de bugs, je trouve. Il est plus propre, je trouve, sur Xbox. Après, il y a peut-être le fait que quand tu joues sur PC, il faut avoir un bon PC, quoi. Il y a peut-être ça aussi qui joue dedans. Je sais pas, Destroyer, tu veux pas avancer sur ta game? Je sais pas, lancer des... Parce qu'en gros, c'est toi le maestro, on va dire, du truc, mais... si tu veux lancer un truc, tu peux, hein, tiens, hein, lancer une course. Parce que moi, je peux rien lancer, hein. Donc c'est pour ça. Si tu veux lancer des courses pour avancer, vas-y, pas de soucis. Parce que moi, de toute façon, déjà, en off-road, j'ai fait toutes les courses du jeu, donc... Mais après, moi en fait, j'aimerais faire beaucoup de off-road, de 4x4 pour pouvoir avancer sur mon Ford Zaton. Je pense que toi, t'as peut-être pas dû encore le débloquer, le Ford Zaton. Étant donné que t'as pas encore à l'hiver, donc.
Parce que normalement, quand tu arriveras à l'hiver, tu débloques le Forza Ton. Donc c'est un peu comme sur Forza Horizon 3, mais c'est beaucoup plus sympa. Et c'est beaucoup mieux fait. Parce que n'empêche que, en gros, le Forza Ton... déjà... Bah moi je sais que j'avais eu beaucoup de bugs sur le Forza Ton à l'époque. Sur le 3. En gros j'étais obligé. Limite je le faisais plus parce que je gagnais ce qu'il y avait à gagner dans le Forza Ton une fois sur 4 quoi. Limite hein, c'est à peu près ça. Une fois sur 4 je gagnais le Forza Ton. Donc c'est pour ça que je n'y jouais plus au final le Forza Ton. Et quand t'as plus le Forza Ton sur Forza, bah c'est pas intéressant. Voilà. Et que t'as fini le jeu, ben t'as fini. T'avais mis tous les festivals à 100% et tout, c'était pas intéressant. Ah génial, une chanson de prouesse qui arrive. Voilà, donc maintenant que j'ai débloqué les musiques de prouesse, d'ailleurs c'est bizarre qu'ils ne mettent pas un timer, non, il met un timer normalement. Tournez à gauche. Ouais, c'est un peu chelou. Ah putain, c'est bon, hein. Franchement c'est bon d'être relié par réseau et pas comme j'étais tout à l'heure, enfin, avant. De relier par wifi parce que là j'ai zéro perte, l'image elle doit être même fluide pour vous, ça doit être propre, vraiment du propre. Je pense que là il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de saccade, c'est nickel, c'est vraiment nickel. Voilà. Hop, c'est parfait, franchement c'est parfait. Le truc c'est que je... Ah si, je crois que si tu prends ton 4x4 normalement tu peux avoir les mêmes voitures que moi. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ici le jeu est cross-platform, le jeu est entièrement cross-platform. Et même moi, comme je t'ai dit, je peux jouer sur PC comme sur Xbox. Le jeu cross-platform. Salut Jérôme H et bienvenue à toi. Le jeu est cross-platform. Il est en fait maintenant Microsoft, ils font vraiment très bien les choses quand ils font des jeux. Ils font des jeux qui sont cross-platform comme Sea of Thieves, comme en fait il y a Sea of Thieves et Forza, c'est vraiment des très bons jeux qui sortent, des très gros jeux, et qui sont tous cross-platform PC Xbox, et que si tu joues PC Xbox tu peux jouer sur les deux avec le même compte. Par exemple si demain je m'achète une Xbox, je peux jouer avec le même compte, la même partie, tout pareil, exactement pareil. Le jeu est ouf, c'est Microsoft donc vraiment le café quoi. Salut Salé. Je sais pas comment ça se prononce mais vraiment le jeu devient vraiment ouf. Et c'est abusé quoi. Comment le jeu devient ouf quoi. Pourquoi maintenant il m'a pas remis en hiver? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais voilà en gros le... Déjà depuis le 3, parce que je crois que même le 3 était déjà cross-platform. Je me rappelle plus si j'avais testé le cross-platform du 3, mais sur le 4 je sais que j'ai déjà fait du cross-platform. C'est ouf. Voilà, maintenant ce que fait Microsoft, c'est abusé. Voilà, il me change la saison. Mais vraiment, le jeu est ouf. Il est cross-platform, il est propre, il est tout ce que tu veux. Mais c'est très propre. Très propre ce qu'ils font Microsoft maintenant. Ah merde, c'est dans l'autre sens. En fait vu que j'ai dû changer de session, il m'a mis de l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment ouf. Par contre je sais pas ce qui s'est passé Destroyer, mais
T'as été kick ou je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ouais, y'a pas de soucis, mais. Je sais que j'ai déjà testé le jeu en cross-platform et qu'il marche très bien. Et là, il doit encore marcher mieux parce que j'ai une connexion qui coupe plus. Donc, plus de coupure de ma part en tout cas, ni la connexion, il y a zéro perte d'image, c'est propre, c'est nickel. Je suis vraiment content. J'ai acheté un petit boîtier CPL là. En gros, et ce qui fait que ma connexion passe tout par le réseau électrique et ça passe vraiment très bien. Je suis vachement étonné en fait que ça passe aussi bien en fait. C'est en gros, c'est presque comme si j'étais branché directement sur la box. Alors qu'il n'y a rien qui, ou presque rien, à dire qui relie la box à mon ordinateur en fait. Ok, ah oui, mais vu qu'il m'a pas mis en mode streaming, il va pas me. Ouais. Donc voilà, c'est abusé, mais le jeu il est vraiment ouf quoi. Il est devenu ouf quoi. Bah, c'est pas grave, on va passer par l'eau. On a 4x4, on a pas une bouse là. Voilà, en gros, tout ce qu'il faut c'est m'inviter et après tu. Ben, me mettre en tant qu'ami et après tu peux me rejoindre. C'est tout. Donc c'est vraiment sympa comme truc. Aïe. Ok. Ah mais ok, en fait c'est les buissons qui me bloquaient. C'est pas du plus logique ça. Hein. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 400 mètres, tournez à gauche. Vous êtes arrivé en avance. Le Forzaton Live va bientôt commencer. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, j'ai pas compris. Ah mais attends. Ah bah oui mais attends, je me rappelle plus, t'étais combien Godfroy en fait. Parce que si t'étais moins du niveau. Je suis niveau 135. Ah, t'as eu un bug. Ok. Vous avez atteint votre niveau 135. Ça, oui, 135. Avec pas mal de voitures. Bah, en gros, si. Merci, merci. Ok, en gros, faut que tu m'invites. Comme si tu jouais avec quelqu'un sur de la Xbox, et normalement, je pense que c'est à peu près la même chose. Xbox, j'y connais rien. Mais normalement, faut que tu. Comme si tu voulais jouer avec quelqu'un d'autre, tu m'invites sur ton Xbox Live ou sur. Je sais pas trop comment ça marche. Et après, en gros, tu peux venir me rejoindre ou jouer avec moi, je sais pas comment. Mais je crois que Destroyer, vu que t'es pas niveau 20, je crois. Tu vas avoir des problèmes justement dans ce genre là. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que quand t'es en dessous du niveau 20, il y a des petits problèmes de matchmaking et de multijoueur. En fait, faut être plus de niveau 20 pour que ça marche bien. Je crois, hein, j'ai dit peut-être des conneries, mais il me semble qu'il faut être plus de niveau 20. Je crois, je dis peut-être des conneries. Mais il me semble que c'est ce qu'on m'avait dit. Mais... et bonjour Adil, j'ai pas dit bonjour en fait d'ailleurs, j'avais pas pensé. Bah si, c'est parce que tu m'as pas dit bonjour, mais après on s'en fout. C'est une formalité. Ça doit être par là je crois. Non, oui, oui c'est par là. On a un saut à faire. Ah, c'est celui du Forzaton. Ok. C'est la même chose que mon pseudo du stream en fait, mon pseudo de tout en fait, c'est le même pseudo en fait, j'ai toujours le même pseudo à peu près de partout. Il n'y a que sur Origin où j'ai pas le même pseudo, mais après j'ai le même pseudo de partout en fait. J'ai le même pseudo de partout. Là, c'est vrai qu'en fait, vu que je fais pas de cours, je peux me concentrer un peu sur le chat et c'est plus correct, je trouve. En fait, pour l'instant, au final. Mais le fait que ce soit fluide, ça m'arrange beaucoup mieux. Ah, là, c'est le radar, c'est celui-là. J'ai même pas réussi à faire 3 étoiles.
Moi je vais passer dans ce sens là et après on passera dans l'autre sens même si je fais pas un gros score là. Hop, c'est pas grave, bim. Faites demi-tour dès que possible. Après c'est vrai que le jeu est vachement poussé sur le multijoueur en fait celui-là. Parce qu'en gros il te met quasiment tout de suite sur du multijoueur on va dire. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool le fait que tu puisses vraiment beaucoup jouer en multijoueur. Faites demi-tour dès que possible. Ben, on va quand même aller jusqu'au bout. Voilà, tu vois. Et non, par là tu dois pouvoir soit m'inviter, soit me... je vais pas répondre tout de suite, je voudrais au moins finir le Forzaton et après j'arrive. Ça te dérange ou pas? Finis mon Forzaton et j'arrive. Là on est déjà à la troisième épreuve donc il doit rester 3 minutes, 4 minutes maximum. C'est vrai que c'est un peu. Moi, c'est vrai que ça me dérangerait un peu quoi, de pas finir mon Forzaton alors que je suis à la fin. Faites demi-tour dès que possible. Attends, je finis mon Forzaton, on a bientôt fini et après j'arrive, je dis. La manche 2 est terminée. Ah non, c'était pas la manche 3 ça? Bon bah. Je pensais être plus près de la manche 3, mais en fait, non. Donc voilà, hop. Tournez à droite. Hop, allez, on va se finir ça vite fait là. Bon, c'est pas top. J'ai pas une voiture faite vraiment pour du drift et tout ça, mais ça va le faire. On va faire avec. Donc, je finis ça comme je t'ai dit, Tintin, et j'arrive. On pourra jouer ensemble après si tu veux. De toute façon, il y a un grand max pour 10 minutes, mais vraiment grand max, je dis bien. Mais je pense qu'en quelques minutes ce sera fini. Une ou deux minutes. Hop. Franchement, c'est vrai que j'aime bien ce petit aspect communautaire du Forzaton. Et que le Forzaton, au moins, il est direct. Il te donne directement les récompenses. Quoi. Pas comme. Moi, j'avais beaucoup de problèmes sur le Forzaton du 3. Parce qu'en gros, il te donnait les récompenses une fois sur 10. Et c'était pas top, quoi. Tu sais, il y a un truc que je savais pas aussi, c'est que en fait, moi tu vois, je t'ai pas en tant qu'ami, mais le truc que j'aime bien, c'est que toi tu peux m'inviter quand même malgré que tu m'as pas en tant qu'ami, et vice versa. Enfin, non, que moi je t'ai pas en ami plutôt. Mais après, si je veux, par exemple, tous les gens qui sont ici, je peux les inviter dans mon groupe. À venir avec moi pour faire du. Dans mon convoi, on va dire. C'est plutôt cool, je trouve. Aïe, 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 aïe. Faites demi-tour dès que possible. C'est bientôt fini. Ah merde, j'ai pas pris le machin. Bah, le truc, c'est que vu qu'ils ont déglingué déjà les deux premiers drapeaux.
Voilà, nickel, on est au million. Ah mais là je vois même plus les pertes d'image que j'ai. Même si non là j'en ai pas, mais je suis confiant dans le truc. Parce que je pense que le seul moyen de ne plus avoir d'image en fait, des pertes d'image, c'est d'avoir une coupure d'électricité et... Là j'aurais pas qu'une perte d'image, j'aurais vraiment tout perdu. Mais... Voilà, allez hop. Ça y est, on a fini. Allez hop, j'arrive. Non, les invitations ça devrait être bon. Hop. Voilà, non, là je suis avec toi là. Ok. Par contre, non, là je suis avec toi. De FPS. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer tout ça. Recherche d'une session en ligne machin. Enfin, je sais pas combien tu es en niveau ou quoi que ce soit comme ça. Voilà. Mais après, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, j'ai fait la démo du Forza Horizon 4 avant que le jeu sorte. Et je trouve que, quoique maintenant il a l'air un peu plus joli qu'avant, mais au moment de la démo, en fait, je trouvais le jeu magnifique. Et vraiment ouf, mais là, depuis la sortie du jeu, je suis un peu déçu, on va dire. Je suis un peu déçu, on va dire, du truc. Donc c'est un peu dommage. Et en fait je crois que les membres en fait ils doivent les mettre par ordre alphabétique je crois. Vous avez atteint votre destination. Il me semble. Faut les classer par. Ah ouais donc c'est bon niveau 40 ouais. Il y a pas de soucis. Mais il me semble qu'en dessous du niveau 20 il doit y avoir des problèmes. Mais aussi une question que j'avais déjà posée dans un autre stream parce que en fait je sais pas encore ce que je vais faire au final parce que je pensais créer un club on va dire pour on va dire ma communauté mais c'est pas vraiment ça parce que j'ai pas vraiment de communauté ou quoi que ce soit comme ça on peut pas dire que j'en ai réellement une encore mais voilà. Pour être entre nous et tout sur Forza et je voulais savoir si... bah, je voulais avoir un avis externe au mien quoi surtout. Moi je cherche vraiment pas la gagne sur le jeu hein. C'est un truc de ouf.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la hype de Forza Horizon 4 est assez vite redescendue. Parce que quand je regarde maintenant un peu sur Twitch, Forza était classé dans les 10 premiers à sa sortie à peu près. Et maintenant, elle est redescendue, je crois, aux 30e position, je crois, sur les streams de Twitch. Et après, je comprends que, bon, au bout d'un moment, la hype elle descend, mais bon. Et je comprends aussi parce que le jeu est vraiment court, je trouve. Parce que, après, à part les Forzatons qui deviennent même très répétitifs, ça commence à devenir un peu redondant. Mot un peu compliqué peut-être, mais je trouve que ça commence à devenir un peu redondant au bout d'un moment. En gros, tu commences vraiment à voir des trucs nuls à chier. Voilà. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Déjà, en plus, sur les Super Wheel Spin, j'ai l'impression de toujours avoir des trucs qui sont nuls en fait. D'avoir des fringues, des emotes, du chat aussi peut-être un peu. Mais. Des trucs qui sont pas forcément. Après, on gagne aussi de l'argent, on gagne des machins. Mais c'est beaucoup moins intéressant, je trouve. Donc, voilà. Donc là, si tu es Tintin, tu peux lancer une cour. Je sais pas où tu es. Ah, tu me dis maintenant que. Ah, c'était sur YouTube. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça fait tout. Ça fait YouTube, Twitch. C'est cool. Aussi, il y a ce. Attends, non, c'est pas le château, ça. Non, c'est pas le château. C'est... où il est? Il est où, le château? Ah, il est là, il est au Gauntlet. Si je branche mon micro... je sais pas. Ce château-là, le château de Bamburg... est assez intéressant aussi pour 10 millions on va dire, parce que il est un peu comme comme celui-là, le château d'Édimbourg. Lui, en gros, je crois qu'on gagne une Alfa Romeo dedans, si je me trompe pas, et on a 10 super wheel spin en plus. Mais le château de Bamburg là, ou bam dur, bam machin là. En gros, ce château là, on a la même chose, on va dire, grossièrement, pour moins cher, pour 5 millions de moins. Mais en plus, on a 10 super wheel spin. Et là, par contre, c'est un trésor de grange qui est là-dessus. Mais il doit être, il doit pas être noté en fait dans la liste des trésors de grange. En fait, je sais pas comment ça marche parce que je l'ai pas encore acheté. Mais je pense qu'il doit être rajouté en plus, parce que là j'ai eu un trésor de grange saisonnier. Parce qu'on doit en avoir un trésor de grange pour chaque saison. Donc printemps, automne, hiver, été. À moins que j'ai déjà eu celui du printemps pendant le. Ah, c'est possible. Alors c'est possible que ce soit celui de la baraque que j'ai eu, qui me manque, et que j'ai déjà eu celui du printemps, là, le saisonnier. Faudra que je voie quand le printemps va arriver, mais je sais pas. Je sais pas comment ça a marché par rapport à ça. Parce qu'il y a donc des trésors de grange saisonniers. Ça c'est plutôt cool aussi. En gros, on en a 4 je pense, 4 ou plus. Après, s'il y en a 8, ça fait un peu beaucoup, parce que non, 2... Non, il doit y en avoir que 4, parce que 8, ça ferait un peu trop. Des trésors de grange saisonnier. Après, je sais pas vraiment... Oh, j'ai encore un super wheel spin, et ben on va tirer tout ça. Allez, on tire encore des super wheel spin. Je sais pas combien j'en ai tiré dans le truc, j'ai dû en tirer 15, je crois, ou 14. Ford Mustang et des fringues. Allez, c'est parti. Oh, youhou. Et un wheel spin normal. Je sais qu'après on peut passer par Microsoft pour créer un groupe, et après on peut parler ou un truc comme ça. Ah, ça par contre c'est cool. La Mustang GT coupée de 65. Ça c'est beau ça.
Ça, c'est de la bilbéite, ça. Ça, c'est de la bilbéite. Ouais, j'en ai combien d'ailleurs des points de... 63. J'ai 63 points de prouesse à placer. Ouais, je suis déjà niveau 36. Ok. Par contre, c'est quoi ta voiture? Elle est combien ta voiture? J'espère que ça va aller assez vite parce qu'il reste. Parce que là. Ah bah, je vais emprunter ta voiture, comme ça, ça sera bon. On aura le même niveau. Ah, t'as celle-là. Parce que le truc, c'est que si j'aurais pris celle que je prends d'habitude, si elle aurait été trop puissante ou pas assez, ou. Allô? Je crois que ton micro il doit pas être activé ou je sais pas ce qui. Je sais pas quoi, mais. Voilà. Je sais pas du tout quoi. Voilà. Ah, c'est vrai que je suis très content, j'ai zéro perte de FPS, c'est pas mal. D'image, on va dire, pas des FPS. Mais... Et je n'utilise que 4%, 10% de ma connexion à peu près. Mais après, je sais pas comment il caractérise le bordel, mais. Bon, les trucs, faudrait peut-être avancer, non? Mais casse-toi! Putain, c'est des violents tes potes, hein! Donc j'aurais pu prendre Marielle, je crois. Voilà, pour le plaisir des yeux, allez, tout bim, 10 points de Forza Ton. Par contre, je crois qu'avant, ça passait pas comme ça, je crois qu'il fallait déverrouiller tout le bordel. Donc, ouais. Ouais, ouais. Wow, wow. On a peut-être évité de perdre la course, ça serait intéressant, non? Wow, 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 wow. T'as oublié un checkpoint? Je crois que oui, t'as dû oublier un checkpoint. Wow. Putain, j'aurais pris Marielle Nomad, je les ai violentés sinon. Mais bon, bah, elle a pas assez de. Après, je sais pas si t'as fait des réglages dessus. Mais elle est un peu juste, je trouve. En termes de vitesse. Elle a une bonne accélération, mais une vitesse pas très intéressante, on va dire. Tac. Bah, nickel. On a gagné. Malgré qu'on n'était pas promis, on a gagné. What? J'ai fait un truc, mais
Ouais, ouais, je sais pas si toi tu m'entends, mais normalement, moi toi tu devrais m'entendre, mais moi je t'entends pas en tout cas. J'ai l'impression quand même, c'est peut-être juste une impression, mais sur ce jeu, les voitures ont quand même une tendance à plus se mettre sur leur roue, en fait, à retomber sur leur roue. Hop, donc c'est le château de Bambourg que je vous ai parlé tout à l'heure. En gros, celui-là. Et pour 10 millions, en gros, t'as une rumeur de trésor de grange, donc je sais pas si c'est celui que j'ai déjà eu ou pas. Et en plus, il y a 10 tirages de wheel spin, de super wheel spin, pour 10 millions. Donc moi, c'est le trésor de grange qui m'intéresserait le plus là-dedans, parce qu'en gros, je les ai presque tous, les trésors de grange. Donc c'est pour ça que... je pense à ça, quoi. Mais bon, après... Wouhou, I believe I can fly. C'est pas ce qu'il disait, R. Kelly. Ah, ça c'était mon téléphone. Oh, cool. Mais bon, ça reste à voir. Boîte. Ouais. Alors, on laisse un peu pour plus tard. Donc je suis à... Mais comment ça? Oh, si quelqu'un comprend un truc à ce truc-là, à cette progression de chapitre de merde, là, parce que moi, j'y capte rien du tout. Oui, ça, je l'ai fini, ça aussi, ça aussi. Et là, il marque que je suis qu'à 31 000. Si j'ai fait que 31 000 de progression, c'est qu'il y a un problème. Parce que là, il parle pas en un coup d'enchaîner. En une fois. Et le problème, c'est que des points de progrès, j'en ai remporté. Hein, j'en ai remporté un bon paquet. Donc voilà. Oh. Aïe aïe aïe. Donc voilà, après faut
contre, je sais pas pourquoi t'entends, mais je t'entends toujours pas. Après, je sais pas si t'as réglé le t'as essayé de régler le problème ou pas du tout. Ah oui, celui-là, c'est celui que je ne voyais pas, celui-là. Je sais pas pourquoi, je n'ai celui-là, je ne le vois pas. En haut, il est censé y avoir un truc pour me donner de l'XP et tout, mais il y a que dalle. Est-ce que c'est moi qui suis bigleux ou qui cherche pas au bon endroit? Mais je ne le vois pas. Donc voilà. Non, c'est pas grave. On va continuer un peu. Tac tac. Aïe. Bon, heureusement que j'ai mis cette amélioration quand même qui me permet de pouvoir taper deux fois un mur avant qu'il m'enlève tous les points de machin et tout. D'ailleurs je suis pas loin d'Edimbourg, tiens, je vais aller au château voir un peu. Enfin, voir un peu ce que je sais déjà mais. Par contre, c'est un peu bizarre aussi par rapport aux aux courses, on va dire, que tu sois obligé, par exemple, de toute façon, je peux le montrer d'ici, en fait. Non. Ah si, là-dedans. Là, mes voitures. En gros, vous faites là, il marque off-road. Voilà. Mais par contre, donc off-road, ça veut dire off-road. Voilà. Clair, net et précis, mais quand on regarde dans les filtres ici, on trouvera jamais de off-road, on trouvera de jamais aussi, non, même rétro saloon, il n'y est pas, mais là, je crois, je sais plus, mais en gros, toutes les trucs sont marqués en français en fait. Par exemple, le off-road, c'est tout terrain, c'est compréhensible, mais. Quand on connaît un minimum l'anglais, mais c'est vrai que c'est un peu con d'avoir mis ou au moins d'avoir laissé ces traductions en anglais, parce que c'est des trucs qui sont même plus classe en anglais qu'en français après tout. Moi je voulais aller vite fait ici, montrer un peu le château d'Edimbourg. Donc voilà. Ouais. Enfin bref. Il est 10h30. Ouais. Donc là on arrive au château d'Edimbourg qui vaut lui 15 millions. Donc il vaut un petit peu plus cher. Donc avec lui on a l'Alfa Romeo P3 et 10 tirages. Pour 15 millions. Donc pour dire que ça commence à faire quoi. Ah mais t'es encore sur la côte? Oh. Après, ouais. 470 sur 500 et des bananes. On est pas mal, hein, en termes de rue. Ouais. Là, toujours zéro perte d'image. On est bien.
Franchement là je suis en train de pousser mon CPL à bout. On a tenté de le pousser à bout, on va dire. Entre parenthèses. De la Vanquish? Non? Je préfère celle-là. Mais par contre, Tintin, sache que je t'entends toujours pas. Je sais pas si c'est que ton micro est pas actif ou quoi que ce soit comme ça, mais. C'est vrai que cette voiture, la Vulcan là, c'est une bête, une bite comme on dit, mais sa kryptonite en gros, c'est l'eau en fait. Une fois qu'il y a de l'eau, elle glisse comme une... Promis sur Xbox, désolé, pas de soucis mais... Après, si ton micro est branché, normalement, il devrait le repérer tout de suite, ben, je pense. Enfin bref. Après c'est vrai que ouais, faut faire avec hein, de toute façon. Mais, Ah t'as mis une épreuve de rue. Bah laisse celle-là. Je sais pas ce que t'as mis comme genre de voiture mais bon. Ah mais merde, ça va pas le faire en fait. Je dis con, quoi que si c'est Edimbourg ça devrait le faire. Ah ? Ouais, allô ? Allô ? Oui, je t'entends là. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais. Oui, je t'entends, oui, je te reçois. Je crois que j'ai fait marcher mon micro. Bah oui, si tu l'entends sur le stream, ça veut dire que il marche. Allô ? Oui ? Ouais. Ouais ? Ah mais maintenant je t'entends plus. Bah comment ça tu m'entends plus? C'est bizarre cette histoire. Attends, je vais voir un truc vite fait. Bah non, moi ça marche mon micro. Ouais, c'est bizarre hein. Ah mais maintenant c'est... Oh, non. Ouais je... Ah ouais, c'est à peu près équivalent, c'est bon. Ah ouais, mais toi t'as pris la Mustang, toi. Du coup, je t'entends décalé, je t'entends sur ton stream, parce que j'arrive pas à... Ouais, bah moi je t'entends... Ouais. Bah tu risques de t'entendre aussi en décalé, certainement, en plus. Oui. De but qui freine juste devant moi là. Hey, il faudrait que je change les pneus celle-là. Et je vais jouer avec là-dessus. Ah, ça va pas bien comme bagnole. De quoi? La unicorn ou la...
Oui bah c'est pas grave après si je t'entends décalé. Ouais. Le principal c'est que tu m'entends. Ouais hein. Ouais en plus j'ai pas remis l'ABS. Le contrôle. Pourri cette bagnole. Le fils de trop. Prenne pas. Oh là 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 là. Là, le truc c'est que moi j'ai une bagnole qui glisse pas du tout ouais. Et là elle fait que ça. Bon après j'ai pas le track control d'habitude je l'ai mais là je l'ai enlevé pour drifter avec mon 4x4 mais... Et le fait qu'elle est sur terre donc c'est... Moi je l'ai pas non plus le track control. Ouais mais moi d'habitude je l'ai. Et le truc c'est que sur la neige c'est une vraie patinoire ce truc. On a la Vulcan. Putain oh. Putain cette voiture qui d'habitude elle bouge pas de la route. Ah je l'ai pas non plus le track control, c'est pour ça. C'est un vrai aimant à bitume ce machin normalement. La Vulcan. Nanana, je finis pas non classé, moi c'est pas la peine. C'est mort. Ah, mais t'étais derrière moi? J'avais même pas vu que t'étais derrière moi. Est-ce que dans le chat vocal t'aurais pas coupé le son de mon micro par exemple? Oui j'étais derrière toi. Comment je peux faire pour retirer le son du jeu? Paramètres. Pam 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 pam. Volume. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas. Non. Ah oui, je l'entends vachement décalé quand même. Là, il y a au moins 30 secondes de décalage. Au moins. Non. Ah c'est le bordel sur Xbox, je préfère largement la PS4 hein. Putain. Oui ça. Ouais sinon Discord c'est pas mal aussi. Hein. Mais après c'est sur PC, c'est différent. Ou sur téléphone. Sortie 4K. Bah non mais c'est quoi ça? Vraiment la merde. Oh, ça m'énerve. C'est une vraie patineur cette bagnole.
Ah, je peux faire comment pour avoir le Discord sur PC? Bah, je suis sur tablette, donc est-ce que je peux l'avoir quand même, le Discord? Ouais, ou ça marche aussi, ça marche aussi, tu le télécharges sur l'App Store, ben, sur le Google Store, ou l'App Store, et après, normalement, c'est pareil. Et après, par contre, faut te créer un compte. Par rapport au Discord. Bon bah allez, moi je dois arrêter. Ah ok, d'accord. Pas de soucis. Où est-ce qu'elle est? Merde, c'est la Ford. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à arrêter non plus. Je pense que là je vais battre tous les records. Je vais battre tous mes records de drift, en tout cas de la double prouesse. Là, je suis bientôt à 500 000 points de prouesse.
Tu vas passer les 500 000. C'est ouf de passer les 500 000. Là, je suis à 600 000. En fait, le truc, c'est que la chanson de prouesse se termine pas tant que j'ai pas fini ma prouesse. Ça, c'est cool. Là, le... Non, on va devoir s'arrêter. Oh non! 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 Oh, fuck! Je vais faire une petite pause un petit peu urgente et je reviens. Et tout de suite. In a state of confusion, the world is in a state of confusion. It's 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 a state of confusion. Rue les petits gars.
Ça me fait un peu chier d'avoir loupé ça quand même. D'avoir loupé la chanson de prouesse. Mais normalement je devrais pas l'avoir perdue, c'est ça que je comprends pas. J'ai à peine frotté l'arbre. Alors est-ce qu'il m'a considéré que j'ai fait deux à coups, enfin, deux coups dedans alors que j'en ai fait qu'un? C'est possible ça. Parce que là, j'avais quand même 700 000 points de prouesse quoi. Même plus. Donc ouais, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là je parle pas beaucoup, mais là je suis un peu... Bon. Je pense que je vais arrêter le stream ici. Et j'espère que le stream vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux qui regardent la diff, la rediff plutôt. Et bah je vous y répondrai, de toute façon je fais toujours à peu près ça. Et j'espère que ce stream vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme je vous ai dit, à vous abonner si vous en avez envie. Laissez un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était MM Simulator, je vous dis ciao ciao.